Bonjour et bienvenue dans ce 35e road movie. Nous partons de Valparaiso où nous étions restés la dernière fois pour monter tout droit dans la cordillère des Andes, passer un col à 3200 mètres, puis redescendre en direction de Mendoza. De là, nous allons explorer un peu les alentours, puis prendre plein nord et longer cette magnifique région qui est les interplateaux de la cordillère des Andes pour nous diriger gentiment vers la vallée fertile et la vallée des dinosaures. Après avoir visité cette vallée des dinosaures, qui se visite malheureusement qu'en convoi avec plein d'autres touristes, nous reprenons la route en direction du nord en traversant sans doute une des plus belles régions d'Argentine dans les hauts plateaux de la cordillère des Andes pour gentiment rejoindre la ville de Salta. De Salta, nous allons nous diriger plein nord, en montant et descendant de nombreux cols afin d'essayer de s'habituer à l'altitude, mais toujours en essayant de dormir en dessous des 3000 mètres. Et tout ceci pour rejoindre un petit village qui est très très isolé, qui s'appelle Uruya.
d'altitude. Ouais. 4354 mètres. Pas facile à joindre ce village de Rouya. Après la pluie, les pistes se transforment en rivières. On veut avoir un bon 4x4. Passé une nuit dans cet étonnant petit village, nous reprenons la route pour monter dans les très hauts plateaux. Nous redescendrons pour passer une nuit à une altitude correcte avant de faire le grand saut pour passer au Chili avec un col à plus de 4800 mètres. Mais ceci est le sujet du prochain épisode. Rapide.